Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis, on se retrouve pour un nouveau glitch. Alors au départ ça devait être vraiment un glitch, on allait sous la map. Puis j'ai vu qu'ils l'ont patch, mais en patchant ils ont fait quand même un peu de la merde, donc c'est parti. Donc pour ça il vous faudra une forteresse épique, là je sais plus trop comment ça s'appelle. Puis vous devrez aller à Salty Spring. Au passage je vais peut-être reprendre la glitch Fortnite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que j'ai un peu arrêté de jouer à Fortnite pour vrai. Même s'il y a une ou deux vidéos qui va pas tarder à sortir. Ouais. Donc c'est parti. Vous allez voir, ce glitch est assez impressionnant, voire même bizarroïde. Parce qu'en gros, si vous voulez, quand ils ont patch le glitch, ils l'ont mal patch, et du coup, ça duplique la maison en question. Du coup, voilà, c'est un peu what the fuck. Donc pour ça, il faut aller à la maison de Salty. Mais ce glitch marche pour toutes les maisons de toutes celles qui ont un sous-sol. Mais bon, dans les autres maisons, ça marche une seule fois dans ce coffre, à l'infini. Et du coup, en gros, ça duplique la maison, ce glitch. Et tout ce qui est au-dessus, donc l'air et tout. Et s'il y a un colis qui arrive, bah, ça duplique le colis. Donc des fois, vous pouvez avoir des séries de colis les uns sur les autres. Donc ça aussi, c'est assez bizarre. Donc ce glitch marche tellement bien que j'ai ouvert à peu près 8 coffres. Et que ça a carrément fait crasher le jeu. Mon copain à moi a dû quitter. Donc vous allez voir. Donc là, voilà, vous lancez votre forteresse de poche. Voilà, j'ai lancé ma forteresse de poche. Puis là, quand vous allez aller au coffre, donc ça c'est vraiment une vidéo que j'aurais même pas dû sortir. Boum, vous l'ouvrez, vous pouvez l'ouvrir une deuxième fois. Donc c'est vraiment what the fuck. Et dans ce glitch, j'ai encore trouvé un autre glitch. Vous allez le voir par vous-même. Donc du coup, vous pouvez ouvrir les portes en deux fois, vous pouvez casser les objets deux fois. Vous allez voir, donc là, quand je vais faire apparaître et que j'ai trop sol, je vais pouvoir ouvrir la porte deux fois. Mon copain, après, je crois qu'une fois que j'en avais mis 8, il est passé au-dessus avec un avion, il l'a crash, il l'a quitté. Donc là, vous voyez, là, ça bug déjà un petit peu. Donc c'est pas moi ni vous, c'est le jeu. Donc évidemment, ça va tellement crash à la fin que ça va être dégueulasse. Voilà, donc là, on peut ouvrir la porte deux fois. C'est vraiment what the fuck. Donc là, voilà. Donc là, je reviens avec des bateaux cette fois. Regardez, vous allez bien voir le caddie qui est là. J'ai rien demandé. Hein. Quand je vais conduire, je vais pouvoir traverser le mur. Donc ça aussi, c'est un peu what the fuck. Donc là, moi, j'étais choqué et tout. Normalement, ça, c'est un glitch qu'ils avaient patch, si vous en souvenez bien. Et sauf que là, il a été patch, mais que un côté de la forteresse. Donc ça aussi, c'est un peu bizarre. Voilà, donc là, on va refaire ce petit glitch. Mon pote, il est passé avec un avion, et puis il a fait what the fuck. Donc là, regardez, le trou, il n'y est plus. Donc ça aussi, je pense que c'est un bug. Hein. D'Epic Games. Donc tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'étais dessous, moi je voyais le trou et ils le voyaient pas, donc ça peut être pas mal pour troller vos potes. Ils vont rien comprendre, vous allez pouvoir les buter alors que lui, il va même pas vous voir. Donc c'est parti, je lance toutes les forteresses de poche. Donc ça va être un peu long. Là, je vais commencer de plus en plus à ramer. Regardez, le coffre, il est de plus en plus scintillant. Donc, ouais, voilà. Donc voilà, donc je sais pas ce que c'est foutu avec mon micro. Donc au pire, on se retrouve juste après une fois que j'ai fini toutes les mettre parce que sinon ça me prend trop de temps. Donc on se retrouve, donc regardez la luminosité du coffre, ça pète les yeux. Et là vous allez voir le nombre de fois où je vais voir le coffre, c'est un truc de fou. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à ce que vous en pensez. Regardez aussi les glitches de Z Arcade, il en a fait un là. Donc moi je refais pas les glitches de Z Arcade, je peux quand même putaclic. En gros, on peut aller sous l'iceberg et voir le truc que vous n'avez pas vu. Donc moi, je vous laisse sur ce petit gameplay. Je vous dis ciao tout le monde et bon game.